Quand on peint un objet, on ne le peint pas tel qu'il est dans la réalité, mais tel qu'on le voit. Ainsi, une auréole, quand elle est de biais, n'est pas ronde, mais elle est ovale. Eh bien, c'est exactement la même chose avec cette rue. Dans la réalité, elle est aussi large ici que là. Seulement, si un peintre s'installe ici, il a franchement l'impression que la rue est beaucoup plus large ici que là. Et si le peintre veut peindre cette rue, eh bien, il va reproduire cet effet en tenant compte de la perspective. Et il va s'apercevoir que toutes les lignes qui, dans la réalité, sont parallèles, celle-ci par exemple et celle-ci, se rejoignent en un même point qu'on appelle le point de fuite qui se situe ici sur la ligne.